Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission de Miracles et Profits. Cette semaine, nous allons dans la capitale économique du Cameroun à la rencontre d'une jeune étudiante dénommée Jessica Nga. Cette jeune étudiante a un fardeau d'aller dans la nation chinoise comme missionnaire. Mais avant de s'y rendre, elle a commencé à prêcher l'évangile aux Chinois qui se trouvent dans la ville de Douala. Nous allons écouter son témoignage dans un instant. Salut, je suis la sœur Jessica Nga de la délégation de Douala. J'ai cru en 2015 et c'est mon quatrième camp. J'ai été beaucoup bénie par ce camp parce que ça a été pour moi une formation pour être missionnaire. En effet, mon appel, c'est que je dois prêcher l'évangile au peuple chinois. Beaucoup me disent déjà que je les ressemble, c'est juste une coïncidence. J'ai eu à apprendre cette langue et le Seigneur m'a mis ce fardeau. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir ce fardeau et cet appel envers la Chine et le peuple chinois? Tout d'abord, en croyant, j'ai été comme baptisée dans cela. Je m'explique. Avant d'avoir cru, je venais à peine d'avoir mon bac et je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire pendant les vacances. Et un jour, j'ai vu une affiche « Apprendre la langue chinoise ». Je me disais « Ah bon, je peux apprendre ces bâtons, lire ces charabias là. Je vais un peu essayer voir. » C'est vrai que, étant passionnée des mangas avant d'avoir cru, j'étais plutôt attirée par le japonais. Dans ma tête, le japonais et le chinois, c'était pareil. Donc, en réalité, je voulais apprendre le japonais. Mais je me suis dit « Bon, le chinois, c'est le cousin du japonais, donc je vais apprendre le japonais. Je vais apprendre le chinois plutôt. » Et en allant apprendre le chinois, je suis tombée sur le frère Nono, qui parlait déjà chinois et qui travaillait avec eux. C'est présentement mon faiseur des disciples. C'est lui qui m'a conduit auprès du Seigneur. Et ensuite, j'ai continué à apprendre de moi-même, c'est-à-dire à travers des recherches, sur le net, dans des livres. Et le Seigneur m'a juste béni avec l'intelligence de comprendre cette langue. Et présentement, ça fait déjà 4 ans que je suis dans cette langue. Bon, c'est pas facile du tout, je suis moi-même encore en train de me former. Mais déjà, le Seigneur m'a mis le fardeau écran en jeu, de les prêcher aussi ce Jésus en qui j'ai cru. Parce qu'avant cela, je me disais, ce sont des gens d'autres peuples, est-ce qu'ils connaissent même Dieu? J'avais pas le fardeau. Mais plus le temps passait, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il désirait aussi les sauver, tout comme il m'a sauvé moi. Et que je ne devais pas me baser sur la race, sur les divergences de race, de langue, de culture, ou même de couleur de peau. Donc, tous les préjugés ont dû mourir parce que le Seigneur travaillait en moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre avec ardeur cette langue. J'ai rencontré des frères chinois, mais qui ne sont pas de notre ministère, qui ont eu à m'offrir une Bible. Et c'est ainsi que j'ai commencé à apprendre quelques passages bibliques. Et j'ai commencé à aller dans les boutiques des Chinois, leur dire « Tu dois te repentir, Jésus t'aime. » Des petits mots. Mais je fuyais un peu les langages très lourds. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que mon ministère a commencé et que c'était mon appel. Parce que je le faisais juste comme ça, sans savoir que en réalité c'était un ministère distinct, un appel distinct qui commençait. Et plus le temps passait, plus c'était sucré pour moi de le faire. Et j'ai cherché une petite équipe de quelques enfants autour de moi pour qu'ils aillent prêcher avec moi. Et c'est comme ça que je suis devenue leader d'une œuvre envers les Chinois, avec pour le moment 4 à 5 coéquipiers, dont le plus jeune a 6 ans. Bonjour à tous, je suis la sœur Fadoula du centre de Kayabassi et je suis évangéliste dans le groupe d'évangélisation des Chinois du centre de Kayabassi. Je suis un élégé, je suis bien pour la racine. Bonjour à tous, je m'appelle Josué, je suis le batteur dans l'équipe d'évangélisation pour les Chinois sans que le Kanyabasi. Yesu Ani, Jésus t'aime. Et c'est comme ça que l'œuvre a commencé.
Je ne savais même pas que c'était une œuvre. Et avec le temps, le Seigneur m'a mis le fardeau d'apprendre le plus rapidement possible pour traduire les livres du frère Zach. Et j'avais déjà eu à commencer l'amour et le pardon. Mais je suis consciente qu'il y a encore beaucoup de lacunes et qu'il faut que j'améliore mon niveau. Et par rapport aux Chinois qu'on a pu prêcher, il y en a qui se sont repentis et ont commencé une œuvre avec nous, c'est-à-dire nous suivre, lire nos livres, même comme ils étaient qu'en anglais, ou ceux qui savaient lire l'anglais. Et pour le moment, nous sommes encore en train de travailler pour qu'ils s'accrochent au Seigneur. C'est pas facile. Il y a encore trop de barrières sur le plan de la race déjà, parce qu'il y a un problème de racisme qu'il faut déraciner. Et un problème de langue aussi, parce que le niveau encore un peu dandinant. Surtout le vocabulaire spirituel, parce que le vocabulaire courant, c'est déjà acquis. Mais sur le plan spirituel, les apprendre les notions spirituelles, tout cela, il faut encore beaucoup travailler. Mais le Seigneur est avec nous et nous sommes très contents. C'est ainsi que nous travaillons dur et vraiment, un jour, le Seigneur nous permettra de nous réjouir de tout ce qui a été fait. Et comme Dieu ne fait rien au hasard, pendant ce camp, nous avons reçu une formation, en fait un guide de conduite pour missionnaires. Et ça m'a permis de voir ce qu'est le travail d'un missionnaire et ce qu'il doit faire. Et j'ai été très bénie par cela. Maintenant, ayant été baptisée du Saint-Esprit et remplie, je sais que comme je m'en vais là, j'ai des Chinois à prêcher. Et ma stratégie, c'est davantage déjà étudier la langue, étudier la culture, étudier l'Ancien Testament de ce peuple, parce que pendant le message, on a eu à nous parler de leur Ancien Testament, de ne pas juste nous concentrer sur nos backgrounds. Et j'ai dit que je vais aller davantage étudier ce peuple et davantage élaborer des stratégies pour mieux m'imprégner, mieux les comprendre et pour mieux passer notre vision et ainsi les amener au Seigneur. Donc, et davantage m'exercer à traduire les livres du frère Zach et les traiter. Donc c'est ça que le Seigneur a mis comme fardeau. Et je pars vraiment engagée et zélée. Bonjour à tous, je suis votre évangéliste chinois du centre de Kayabas. Que Dieu vous bénisse. Jésus Aïe, Jésus Thème. Donc voilà, par rapport à l'œuvre au chinois et par rapport à mon appel et mon ministère. Gloire à Dieu. 大家好，我叫 Jessica，我是这个传福音团队的领导。Bonjour à tous, je suis la sœur Jessica Nga du centre chrétien chinois de Kayabas. Voici mon équipe de motivation chinois. Yesu Ani. Toi aussi, si tu as reçu un fardeau d'aller au champ de mission, tu peux commencer à évangéliser dans ta localité comme notre sœur Jessica. Restez scotchés sur les programmes de la RTVC. Que Dieu vous bénisse. Dans 我今生颂扬的。